Les premiers pas de Clara dans la cité de la bande dessinée. Cette jeune artiste belge de 25 ans vient de réaliser son premier album, Merel, l'histoire d'une cinquantenaire célibataire dans un petit village de Flandre. Et forcément, l'annonce de sa sélection officielle ne l'a pas laissée de marbre. Quand je l'ai appris, j'ai été impressionnée, j'ai été excitée, j'ai eu peur aussi. Angoulême, c'est quand même exceptionnel et voilà, c'est impressionnant. Depuis sa création en 1974, le festival a consacré de nombreux auteurs et livres devenus des classiques du 9e art, comme Corto Maltese d'Hugo Pratt, Mao Star Spiegelman, l'Arabe du futur de Riyad Satouf, qui vient de remporter le prestigieux Grand Prix de cette 50e édition. Quand j'étais enfant et j'étais ado, je rêvais de faire des bandes dessinées. Alors je n'ai jamais pensé une seule seconde que je pourrais avoir le Grand Prix d'Angoulême. Il y avait Crumb, Druyer, Moebius qu'il avait eu. Voilà, ça me semble un petit peu surnaturel. Dans un pays où un livre vendu sur quatre est une bande dessinée, Angoulême fait figure de référence. En 50 ans, ce que le festival a fait d'essentiel, c'est d'avoir contribué à faire de la bande dessinée un art, une forme d'expression à part entière. Dès l'origine, ce festival a regardé les créateurs de bande dessinée comme des artistes. Le festival s'efforce aussi de refléter les tendances. Alors que les mangas cartonnent en France et dans le monde, il accueille la première rétrospective européenne consacrée à l'attaque des titans du japonais Hajime Isayama. Je trouve ça assez magique de pouvoir aller rencontrer l'auteur et voir ses planches en réalité en France, à Angoulême ici. On est super content d'être ici, ouais, et de voir cette expo. J'ai regardé attentivement les dessins, j'ai été bluffée vraiment par le travail d'artiste qui est là. Ici, les fans et les curieux peuvent admirer près de 170 planches originales de la série culte, vendues à plus de 100 millions d'exemplaires et adaptées par Netflix. L'attaque des titans est probablement l'une des propositions de mythologie pop contemporaine les plus stimulantes du moment. On a vraiment une œuvre unique qui ne ressemble à aucune autre, qui est exigeante sur le fond comme sur la forme et qui a pu rencontrer un très très grand public. Reconnue ville créative de littérature par l'UNESCO, Angoulême n'a pas fini de se réinventer. Tourné vers le numérique, le festival reste, avec ses 50 bougies, bien dans sa bulle.